Bonjour, je suis Henriette Mbarga, le principal de l'école de la connaissance et du service de Dieu. C'est l'institution dans laquelle la communauté missionnaire chrétienne internationale forme ses missionnaires et ses ouvriers divers. Nous allons parler un peu du message de Berthois. Pendant la troisième convention mondiale de la CMCI qui s'est tenue à Berthois, dans l'est du Cameroun, en décembre 2019, le Seigneur avait rendu clair le but de la CMCI pour ce que nous appelons la phase 3. C'était clair, à savoir 1 million d'églises de maison dirigées par 1 million de faiseurs de disciples qui obéissent au message de Berthois dans 154 nations sur tous les 6 continents. Le point de chute de notre but pour la phase 3, c'est le message de Berthois. Et pendant la session des enseignants des ECSD, entendez, École de la connaissance et du service de Dieu, que nous avons eu en septembre 2021, le frère Théodore a officiellement confié à l'École de la connaissance et du service de Dieu la responsabilité d'enseigner le message de Berthois à la communauté missionnaire chrétienne internationale. C'est dans ce cadre que nous nous sommes mis au travail et avons décidé de faire de chaque palier, de chaque escalier du message de Berthois une unité d'enseignement en soi. Nous avons autour de cet élément, par exemple le tout premier, délivrance de tout péché, nous avons constitué une liste de livres, la bibliographie, c'est-à-dire des livres ZTF qui parlent de ce thème pour permettre de mieux le comprendre sous différents aspects. Et parmi ces livres, nous avons choisi un que nous appelons le livre au programme. Et c'est ce livre que nous avons pris dans le cas de l'unité d'enseignement, nous allons appeler ça comme ça, la délivrance de tout péché. Nous avons pris le livre « La délivrance du péché », le livre du professeur Zacharias Tanefomum, « La délivrance du péché ». Il nous sert de livre programme pour l'unité d'enseignement « La délivrance de tout péché ». Donc, ce livre, nous l'avons pris, quand je dis « nous », c'est-à-dire que nous avons constitué une équipe pédagogique d'une quarantaine de personnes qui se sont réunies et qui ont lu et relu, priant, formulant ce livre en leçons et les leçons en questions et les questions en réponses pour chacune d'entre elles. Donc, nous avons obtenu, à l'issue de ce travail, deux éléments, nous allons les appeler les éléments didactiques, à savoir le livret d'activité dans lequel toutes les questions posées se retrouvent. Vous pouvez voir des espaces. Après chaque question, il y a de l'espace pour que chacun réponde. En fait, ce livret d'activité doit être possédé par chaque membre de chaque église de maison de la communauté missionnaire chrétienne internationale de Koumé aux extrémités de la terre. C'est le document dans lequel chacun va répondre aux questions posées pour lui permettre de mieux assimiler le message du livre « La délivrance du péché », de le comprendre et aussi de le mettre en pratique, éventuellement de le transmettre à quelqu'un d'autre. Par ailleurs, nous avons ce que nous avons appelé le manuel du dirigeant d'église de maison qui contient les questions posées dans le livret d'activité, mais aussi les bonnes réponses chaque fois. De manière à ce que dans chaque église de maison, puisque le cadre que le Seigneur a défini pour nous, pour ce programme de formation qu'est le message de Berthois, c'est l'église de maison. Donc, chaque dirigeant d'église de maison devra avoir ce manuel pour être sûr d'avoir la bonne réponse et de donner la bonne réponse à chaque question qui se trouve dans le livret pour les membres de son assemblée. Dans le cadre de l'Église,
là où l'enseignement se fait habituellement. Le dirigeant, l'enseignant de l'église, l'enseignant de chaque église, devrait utiliser le livre au programme. La délivrance du péché, par exemple. Par exemple, quand la plupart des églises ont l'enseignement le mardi. Le dirigeant, l'enseignant qui enseigne le mardi, va donc prendre le livre au programme, la délivrance du péché, et l'enseigner à l'église le mardi ou le jour d'enseignement. Il lit, il enseigne, il explique, les frères prient. Et en plus de cela, dans l'église de maison, chaque semaine, peut-être le dimanche ou je ne sais pas quel jour, dans l'église de maison, chaque membre d'église de maison revient avec son livre au programme et avec son livret d'activité. Et dans l'église de maison, après avoir fait la première partie de l'église de l'assemblée qui est action de grâce, louange à Dieu, quand on arrive au paroxysme de la louange à Dieu, on rompt le pain et après avoir rompu le pain, on passe donc à la deuxième partie de l'église de maison où on va attaquer le message de Berthois, unité d'enseignement par unité d'enseignement. Donc là, chaque membre de l'église de maison est arrivé avec son livre au programme et avec son livret d'activité. Et une fois de plus, le dirigeant d'église de maison ou quelqu'un d'autre lit une portion, la portion indiquée du livre au programme. Quelqu'un lit la portion parce que dans chaque livret d'activité, on départit la portion à lire. Donc, on lit la portion. Et après avoir relu la portion dans l'assemblée, c'est-à-dire quelqu'un lit, les autres suivent. Après cela, chaque membre d'église de maison prend donc son livret d'activité. Il l'ouvre et il répond aux questions qui s'y trouvent. Parce qu'il y a un espace, après avoir lu la question, il répond, il lit la question, il répond. Et quand il achève de répondre aux questions par écrit, chacun remet à quelqu'un d'autre dans l'assemblée. A donne son livret à B, B donne à C, C donne à D, ainsi de suite. On se répartit les livrets. Maintenant, le dirigeant d'église de maison, qui seul a le livret, le manuel du dirigeant d'église de maison, ouvre ce manuel dans lequel se trouvent les bonnes réponses aux questions auxquelles les frères ont répondu. Il leur donne la bonne réponse, question après question. On lit la question et il lit la réponse. Et chacun des membres d'assemblée note le livret qu'il a entre les mains. Si on n'a pas fini la leçon, ce qui est très probable, même pas fini une leçon en une séance, on note ces portions-là et puis on remet à chacun son livret. On revient la semaine d'après, on relit la portion qui suit, qui est indiquée, et chacun répond aux questions dans son livret. Après ça, on échange et avec le dirigeant, à base du manuel du dirigeant de l'église de maison, on a les bonnes réponses, on corrige à nouveau. Jusqu'à ce qu'on ait fini la première leçon, par exemple. Quand la première leçon est achevée, on fait le total. Chacun a sa note de la première leçon. Et on procède ainsi de leçon en leçon jusqu'à ce qu'on ait achevé ou épuisé cette unité d'enseignement délivrance de tout péché. C'est alors qu'on va passer à la deuxième unité d'enseignement. Nous avons opté de prendre un élément négatif suivi d'un élément positif, donc par exemple la délivrance de tout péché. Après ça, on va prendre devenir disciple du Seigneur Jésus. Et la troisième unité, ce sera la délivrance de tout amour du moi. La quatrième, ce sera rencontre dynamique quotidienne avec Dieu, etc. Négatif, positif en montant. En ce qui concerne les frères qui seraient illettrés dans chaque assemblée, ou alors les enfants qui ne savent pas encore lire,
quelqu'un, pendant que les autres commencent à écrire, à répondre aux questions par écrit, il va les rassembler dans un coin et leur relire le livre et leur poser la question oralement. Ils vont répondre et l'essentiel, c'est qu'ils comprennent et répondent. Ce n'est pas nécessairement qu'ils écrivent. Oui. Donc, mais les enfants qui savent lire et écrire vont chacun avoir son livret et l'utiliser, répondre par écrit. Le message de Berthois, nous devons pouvoir l'évaluer, savoir que tant de personnes ont obéi, tant d'églises de maison ont obéi. Nous avons conçu, pendant que nous étions en train de faire une expérimentation de ce message dans le centre expérimental de l'École de la connaissance et du service de Dieu, nous avons remarqué qu'il serait nécessaire de rendre compte de l'évolution de ce programme de formation, unité d'enseignement par unité d'enseignement, au niveau de l'église de maison, au niveau de l'église locale et au niveau de la province spirituelle. Ça c'est dans le cadre du Cameroun. Selon les répartitions dans les nations, on va faire des adaptations. Toujours est-il que chaque dirigeant d'église de maison a une fiche de compte-rendu du message de Berthois, de l'évolution du message de Berthois dans son église de maison. Sur cette fiche apparaît le nom de chaque membre de son église de maison et les différentes leçons de chaque unité d'enseignement. Chaque fois qu'un membre a achevé une leçon, sa note figure en face de son nom, ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le monde ait fini cette leçon-là. On passe à la deuxième, à la troisième, ainsi de suite. Dès que tout le monde dans l'église de maison a fait toutes les leçons de l'unité d'enseignement dont il s'agit, le dirigeant d'église de maison envoie sa fiche, il photocopie sa fiche et il l'envoie au dirigeant de la localité dans laquelle il se trouve. Le dirigeant de la localité, à son tour, a une fiche de compte-rendu du message de Berthois dans laquelle figurent non pas les membres d'église de maison, comme dans le cas du dirigeant d'église de maison, mais plutôt les différentes églises de maison de sa localité, par exemple, église chez, église chez, église chez, et avec les mêmes leçons, les mêmes unités d'enseignement. Donc, quand une église de maison lui envoie la fiche dans laquelle tous les membres de l'église de maison ont achevé, il coche. Si ça, c'est l'église chez les Étoiles-Bocs, par exemple, il a aussi sur sa liste église chez les Étoiles-Bocs. Il va cocher que cette église-ci a achevé cette unité d'enseignement. Et quand toutes les églises ont envoyé et qu'il a coché toutes les leçons d'une unité d'enseignement, lui aussi photocopie, il garde une copie et il envoie sa copie, sa fiche, à son dirigeant provincial. Le dirigeant provincial, à son tour, a une fiche, la fiche du dirigeant provincial. Elle n'a pas les noms des membres de l'église de maison. L'église locale qui a achevé lui envoie la photocopie. Il coche de sorte que le dirigeant provincial peut avoir avec exactitude, sans le deviner, avec fiche à l'appui, la liste des églises locales dans sa province qui ont achevé une unité d'enseignement à base de ces fiches que lui ont envoyé les dirigeants d'église locale et lui-même que lui ont envoyé les dirigeants d'église de maison. Donc c'est un compte-rendu très très exact. On ne va pas deviner si on a achevé une unité d'enseignement ou pas. C'est devenu une tradition qu'au début de l'année, les dirigeants du ministère au Cameroun se rassemblent au quartier général en début d'année en janvier pour rendre compte des effectifs, du nombre d'églises locales, du nombre d'églises de maison, etc. Un élément qu'ils devront ajouter, c'est tant d'églises de maison qui ont déjà achevé telle unité d'enseignement du message de Berthois. Pour qu'on voit que, effectivement, nous sommes en train de poursuivre le but que le Seigneur nous a donné à la fin de la convention 2019. Dorénavant, lorsque les dirigeants du ministère au Cameroun vont rendre compte de leur province pendant ce rendez-vous annuel, ils vont dire, nous avons, dans la province, nous avons tant d'églises de maison qui ont déjà achevé tel palier du message de Berthois.
Et ce palier-là, c'est celui que tous, c'est-à-dire même le plus lent dans leur province, a achevé. Vous vous souvenez ce que, lorsque Jacob avait été rattrapé par son frère, Ésaü, ce qu'il lui avait dit, dans Genèse au chapitre 33, on commence au verset 12. Ésaü dit, « Partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. » Verset 13, Jacob lui répondit, « mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. » 14, « Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur, et moi, je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera, et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séir. » Jacob était en train de dire qu'il va aller au pas du troupeau. Il ira lentement au pas du troupeau qui le précède, au pas des enfants. Donc, le dirigeant provincial va aller au pas du plus lent dans sa province. Quand il va dire, nous avons tant d'églises de maisons, il va dire, qui ont fait telle église, tant d'unités d'enseignement, sachant que l'unité d'enseignement qu'il donne, c'est celle que tous dans sa province ont couverte, même s'il y en a qui ont déjà pris les devants. Gloire à Dieu. De sorte que quand on pourra dire qu'on a fini la dernière unité d'enseignement, c'est tout le peuple du bas jusqu'en haut qui y sera. Faut-il le rappeler? Le livret d'activité contient déjà le message intégral, le message du Bertois intégral tel qu'il a été reçu, d'une part, et d'autre part, pour chaque palier du message de Bertois, il y a la liste des livres suggérés pour lesquels chacun est invité à lire pour s'enrichir de façon plus complète sur le thème abordé. Donc, vous avez ça là, tout au début du livret d'activité, avant d'entrer dans les questions proprement dites relatives à cette unité d'enseignement. Évidemment, ce travail, tel qu'il a été fait, n'est disponible en ce moment que pour une unité d'enseignement. Il faudra le faire 29 fois pour parcourir chacune des 29 unités d'enseignement du message de Bertois. C'est notre vif désir que chacun, effectivement, dans notre ministère, chaque membre dans chaque église de maison de la communauté missionnaire chrétienne internationale se lance, embrasse ce programme de formation et ce programme de croissance pour effectivement aboutir au réveil, parce qu'en fait, le message du Bertois, c'est le chemin qui mène au réveil, effectivement aboutir au réveil que nous souhaitons voir dans la CMCI tout entière. Que Dieu nous bénisse tous.